vidéo pour vous, moto cette fois, pour vous présenter ma dernière, je peux dire, création, restauration. Voilà, j'ai fait l'acquisition il y a 3 ans à peu près, je me souviens plus exactement, d'une XT400 qui n'était pas en très bon état, qui était même en état d'épave. Tout a été démonté, tout repeint, on a tout refait. Et j'ai fait une version Paris-Dakar de cette moto, donc je vais vous présenter la machine un petit peu en détail, vous allez voir, c'est assez sympa. Et donc voilà la bête, voilà la Yamaha XT400 de 1981, version Paris-Dakar, alors Paris-Dakar 84. Cette moto, donc je l'ai fait un petit peu pour m'amuser, un petit peu comme une grosse maquette. Et voilà ce que ça donne. Une petite 400, donc la petite sœur de la 500 XT, qui est moins coté que la 500, mais il y en a eu beaucoup moins des 400 XT, donc c'est un peu ça qui est paradoxal. Donc j'en ai fait un petite moto pour m'amuser. Donc on voit toutes les décorations, voilà, Dakar, avec les stickers. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette machine? Donc elle a été entièrement démontée, il y a eu une révision du moteur. J'ai trouvé sur internet un réservoir de 500 XT de 20 litres que j'ai payé 50 balles, donc il était en mauvais état, il a fallu au niveau du robinet d'essence faire une bidouille pour que ce soit étanche parce qu'il y avait des trous. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux petits robinets par sécurité. Donc un réservoir de 500 XT, parce qu'il faut savoir que la partie cycle de la 400 c'est la même que celle de la 500, donc vous pouvez monter des pièces de 500 XT, c'est les mêmes, il y a juste la cylindrée qui change. Un kitchen neuf, on voit, avec la chaîne. Donc les suspensions sont d'origine, les jantes donc sont pas en très très bon état, mais pour l'instant ça le fait. La jante avant aussi, donc on voit qu'elle est marquée ici, hein, il y a une petite marque, il y a une tonche, mais bon, c'est encore étanche. Ça a été entièrement repeint, le plastique, par un carrossier, donc avec les traitements, les vernis qui vont bien pour que ça tienne dans le temps, que ça tienne au carburant, les protège-mains. La plaque de phare, j'ai réussi à retrouver les caches latéraux, donc derrière il y a une batterie qui est toute neuve. La selle a été refaite par un sellier et rehaussée de 10 cm 8 cm environ pour faire le style qu'il y avait sur les Dakar. Le pot d'échappement donc a été retrouvé, les clignotants, la petite sacoche à outils version Paris-Dakar, donc en cuir, avec le petit brodage, la petite broderie Yamaha derrière. Là, il y a les petits écarteurs pour éventuellement mettre des sacoches. Et la peau de mouton, donc c'est une véritable peau de mouton. Parce qu'il faut savoir que pendant les Dakar, les premiers Dakar, ils mettaient des peaux de mouton. Alors pourquoi ils mettaient des peaux de mouton? Tout simplement parce que comme il faisait très très chaud, les selles leur cuisaient les jambes, les cuisses. Donc ils mettaient cette couche entre la selle et leur fessier ou leur cuisse. Et ça, je vais dire avec un terme un peu fort, ça les rafraîchissait un peu. Et paradoxalement, quand ils roulaient de nuit, et ben avec les froids qu'il y a dans le désert, ça réchauffait les fesses. C'est pour ça qu'il y avait des peaux de mouton, donc j'ai voulu donner ce petit style. La petite protection de guidon Yamaha aux couleurs de la moto, un petit compteur qui marche donc avec l'entraînement de la roue et puis qui s'éclaire parce qu'il marche entre 4 volts et 12 volts, bien pratique. Et voilà la machine. Donc je suis assez content de cette moto. Alors évidemment, sur ces machines, ce qu'il faut savoir, c'est que pas d'électronique, hein, y a rien, y a un condensateur, c'est tout. Elle est en 6 volts, donc l'éclairage, rien du tout. Et puis démarrage au kick quand même. Et oui, pas de démarreur électrique.
bientôt. Bon, faut savoir que j'en parle pas trop parce que normalement, je dis bien normalement, et c'est là où il y en a qui vont faire des bons, elle est peut-être vendue. Je n'en dis pas plus parce que moi j'avais l'intention de la refaire comme ça et puis de partir faire un trip avec, faire un raid un petit peu à l'ancienne, vintage. Elle est peut-être vendue. Alors pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que rien n'est signé, rien n'est finalisé, mais sous 10 jours, je vous.